My dear little friends, be careful on the way to school. Be alert and pay attention to traffic. No running, no jumping, no playing on the road. No more accidents on our road. No more accidents on our road. Leçon 4. Les types d'ameublement routier. Ces mains courantes sont très utiles et nous protègent du danger. Oui, on les appelle les ameublements routiers. Tout comme les meubles de notre maison, les routes aussi ont leurs propres meubles. Oh, comme c'est sympa! Donc la main courante est un meuble pour la route. Oui, tout comme le passage piéton qui nous indique où traverser en toute sécurité. Il y a plusieurs ameublements routiers. Jouons un jeu. Devinons à tour de rôle les meubles de route et à quoi ils servent. Je commence. Regarde l'abribus là-bas. C'est un endroit pour se protéger du soleil et de la pluie en attendant le bus. Poubelle à ordures, afin de jeter nos ordures. Les feux de signalisation pour guider les véhicules et les piétons. Les lampadaires, afin de nous éclairer le soir. Les panneaux d'information pour guider les usagers de la route. Et les trottoirs nous indiquent où marcher. Les ameublements routiers se trouvent sur les routes. Ils ont des objectifs différents et rendent notre voyage plus sûr et plus agréable. N'oubliez pas que vous devez toujours utiliser les ameublements routiers avec précaution.